بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et nous avons commencé, mes chers frères et sœurs, dans la séance passée, si vous nous avez suivi, et nous avons parlé, mes chers frères et sœurs, de Salatul Qada, et qui est rien d'autre que la prière de rattrapage. Et nous avons aussi abordé la question du voyageur, le priant dans le voyage, qu'est-ce qu'il doit faire. Et nous avons essayé de parler de ce point, Inch'Allah, les cas dans lesquels, lorsqu'il fait la prière intégralement, alors la prière est annulée, et le cas dans lequel aussi, lorsqu'il fait, aussi la, il fait également la prière écourtée, alors cette prière est annulée. Sont annulés. Nous avons essayé de parler et de ce point, Inch'Allah, et nous sommes arrivés à la prière de rattrapage qui est aussi importante, il y a d'une importance aussi capitale, Inch'Allah, que le Seigneur nous donne une bonne compréhension. Et nous avons essayé de dire que la prière de rattrapage, on est tenu d'accomplir toute prière obligatoire dans l'état d'un temps réglementaire. Tout à fait. Et si vous avez suivi dans les émissions passées, nous avons essayé de parler, mes chers frères et sœurs, des actes préliminaires de la prière. Nous avons parlé parmi ces actes préliminaires, l'heure impartie de la prière. Donc, nous devons respecter cette heure, et ces heures ont été choisies par Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en réalité, c'est ce que le Coran dit, « Inna salata kanat ala al-mu'mina kitaban mawquta » C'est une obligation dans le temps réglementaire. Nous devons les accomplir au cas si nous ne les accomplissons pas de façon volontaire ou involontaire, mes chers frères et sœurs, dans le temps précis. Si c'est de façon involontaire, mes chers frères et sœurs, oui, c'est une prière de rattrapage, non, pas péché. On doit faire avec la prière de rattrapage. Mais si nous avons fait de façon volontaire, nous avons péché, nous devons se repentir et faire la prière de rattrapage dans ce cas précis. Donc, mes chers frères et sœurs, si on est obligé de rattraper la prière dans le cas très précis. Soit, mes chers frères et sœurs, on a l'obligation de rattraper la prière lorsque, mes chers frères et sœurs, on ne s'est pas acquitté de la prière dans le temps réglementaire de la prière. Premier lieu, le temps réglementaire de la prière, on ne s'est pas acquitté de la prière dans ce temps réglementaire. Alors, nous devons, si c'est de façon volontaire, nous devons essayer de se repentir parce que nous avons péché, de se repentir et enfin d'accomplir la prière de rattrapage dans le temps que nous-mêmes nous allons choisir, qui puisse nous arranger selon notre programme. Et ici, nous avons aussi, mes chers frères, on se rend compte après le temps réglementaire que la prière accomplie est nulle. C'est-à-dire que, quelles que soient les raisons, soit on s'est rendu compte après la prière ou pendant la prière réglementaire et que nous n'avons pas fait les ablutions avant la prière, ou l'ablution que nous avions avant la prière a été invalidée par les actes quelconques, mes chers frères et sœurs, on s'est rendu compte qu'à la dernière cas, alors que le temps imparti de la prière est déjà fini, mes chers frères et sœurs, alors nous devons revenir et rattraper la prière
Mais là, par oubli, si c'est dans le cas de l'oubli, nous n'avons pas péché, nous devons essayer de rattraper et cette prière-là. Celui qui est redevable d'une prière de rattrapage ne doit pas faire montre de négligence, mes chers frères et sœurs, à son égard, quoiqu'il ne soit pas dans l'obligation de l'accomplir aussitôt. Si nous avons une prière de rattrapage, il ne faudrait pas le négliger dès lors que nous avons assez de temps. Il faut essayer de le faire, d'accomplir cette prière, de s'acquitter de cette prière plus rapide que possible. Il ne faudrait pas le négliger pour pendant des jours, etc. Il est demandé de s'acquitter plus vite que possible de cette prière. Alors que parce que nous ne savons pas si nous avons une longue journée, nous avons un moment aussi durable, nous avons une longue vie, alors si nous laissons la prière pendant une année, 6 mois, 1 mois, alors que nous avons assez de temps de rattraper cette prière, mes chers frères et sœurs, au cas s'il y a eu des événements aussi mal placés, tels que le décès, mes chers frères et sœurs, cela n'est pas bon parce que vous avez laissé cette prière-là volontairement alors que vous avez assez de temps de les rattraper plus vite que possible. Les différentes situations dans lesquelles peut se trouver Laurent en rapport avec la prière de rattrapage. Il y a des différentes situations que le priant peut se trouver dans ce cas bien précis, mais qui est en rapport aussi, direct ou indirect, à la prière de rattrapage que nous allons essayer et de vous énumérer point par point, Inch'Allah. Lorsque, mes chers frères, il ignore être tenu de rattraper quelques prières, il n'est tenu à rien. Vous voyez, ça c'est le premier cas. Il doute être tenu de rattraper, mes chers frères, quelques prières, il n'est tenu à rien. Il doute. Là, c'est dans le cas, il ignore, il doute, mes chers frères. Il présume être redevable de quelques prières, mais il est tenu, mes chers frères et sœurs, de l'accomplir par mesure de prudence. Hein? Il sait réellement qu'il doit rembourser certaines prières, il doit rattraper certaines prières, mais il ne sait pas exactement il s'agit de quelle prière. Il faut essayer de faire mesure de prudence, il faut essayer de rattraper ces prières jusqu'à ce que nous ayons quelque part cette certitude que nous avons accompli et rattraper et ces prières-là. Lorsqu'il est suit d'être redevable de quelques prières, sans pourtant connaître le nombre exact, mes chers frères et sœurs, par exactitude, le nombre exact de ces prières. Par exemple, tout court, il ne sait pas qu'il doit rattraper 4 ou 5 prières. Vous voyez, il suffit réellement, mes chers frères et sœurs, le minimum qu'il accomplit suffira. S'il rattrape 4 suffira, Inch'Allah, pour lui. Il en connaissait le nombre, mais il l'a oublié ensuite. Il savait qu'il avait 4 prières à rattraper, mais en fin de compte, le fait de négliger la prière, par négligence, il a oublié ce nombre. Le minimum qu'il accomplira suffira. Le minimum qu'il accomplira aussi, jusqu'à ce qu'il ait lui-même quelque part certitude, et suffira. Il connaît le nombre, mais il est tenu de rattraper toutes ses prières. Si le nombre est connu, il est tenu de rattraper toutes ses prières sans aucune condition. Pas tenu, mes chers frères et sœurs, en 4e point, de rattraper la prière quotidienne ratée selon leur ordre prescrit. C'est-à-dire que lorsque nous avons essayé, par négligence, nous avons essayé de façon volontaire ou involontaire de négliger certaines prières et l'heure impartie de ces prières, réglementaire de ces prières, nous a laissé, mes chers frères et sœurs, alors nous ne sommes pas obligés de rembourser, de rattraper ces prières dans les heures convenables de ces prières-là. Lorsqu'il s'agit des prières de Dhuhr, il ne faudrait pas, c'est pas demander d'attendre la prière de Dhuhr avant de rattraper cette prière. Non, nous sommes libres de faire cette prière de rattrapage n'importe quelle heure, que ce soit Dhuhr. Dhuhr peut être rattrapé dans la nuit,
l'Asia peut être rattrapée dans la journée, etc., etc. Donc, mes chers frères, je crois que sur ce point, nous sommes clairs. On peut accomplir la prière de rattrapage lors de la prière en commun. Oui, la prière de rattrapage, on peut le faire lors de prières en commun. Vous êtes en train de faire la prière en commun. Exemple, vous avez fait la prière de Dhuhr. Après, vous avez retrouvé une communauté en train de prier, la prière en commun. Vous pouvez rentrer dans cette prière communautaire et essayer de formuler l'intention de prière de rattrapage. Et cela est possible, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs. On peut accomplir la prière de rattrapage lors de la prière commune, peu importe que la prière de l'officiant soit celle d'acquittement ou de rattrapage. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas nécessaire que l'officiant ou le rang, mes chers frères et sœurs, accomplisse la prière. Par exemple, il n'y a pas d'inconvénient à rattraper la prière de l'aube derrière un imam qui office la prière de midi au dhuhr. Il n'y a pas d'inconvénient, mes chers frères et sœurs, la prière de l'aube qui est 2 rakat. L'imam qui est en train d'officier la prière de Dhuhr, il n'y a pas d'inconvénient qu'on l'on puisse rattraper cette prière dans la prière de Dhuhr de l'imam, mes chers frères et sœurs. Il est tout à fait clair encore, mes chers frères, si le voyageur n'a pas pu s'acquitter de la prière de midi, hein, et l'après-midi du soir, et qu'il avait l'obligation de réduire, il est tenu, mes chers frères, de les accomplir, réduites à 2 rakat au moment du rattrapage. Peu importe, mes chers frères et sœurs, qu'il les rattrape durant ou après le voyage. Vous voyez, quelqu'un qui est dans le temps du voyage, et dans ce cas précis, mes chers professeurs, il a négligé certaines prières pendant le voyage, dont la prière des raccourcis, hein, mes chers professeurs, il a essayé de négliger ces prières après le voyage, de son retour. Il s'est rendu compte, oui, il y a des prières qu'il a pu négliger, il y a des prières qu'il avait oubliées, etc. Il doit rattraper ses prières, mais lorsqu'il s'agit des prières écourtées, les prières écourtées doivent être faites par des prières avec de façon écourtée, et aussi les prières intégralement faites doivent être intégrales, doivent être faites de façon intégrale. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair dans ce point-là. On peut observer le jeûne en voyage. Oui, on peut observer le jeûne en voyage. Voir le jeûne de rattrapage. Lorsqu'il s'agit de jeûne de rattrapage, oui. En revanche, on peut rattraper la prière. Hein? On peut rattraper la prière de 4 rakat pendant le voyage. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair sur ce point-là. Quelqu'un qui voyage peut rattraper le jeûne pendant le voyage, peut aussi rattraper la prière qui doit être faite intégralement pendant le voyage. Si on a l'intention dans un voyage de rattraper la prière, on n'a pas manqué en dehors du voyage, on est tenu d'accomplir la prière de midi, mes chers frères et sœurs, et de l'après-midi de 4 rakat tel quel. De même, on est tenu de réduire, mes chers frères et sœurs, à 2 rakat la prière de 4 rakat manquée durant le voyage, quand on a décidé de les rattraper après qu'on soit au pays. Et c'est ce que nous avons essayé de dire, la prière écourtée, la prière intégrale, lorsqu'on veut rattraper ces prières-là. La prière de rattrapage peut être accomplie n'importe quand. Il n'y a pas de moment fixe, parce que nous avons essayé, nous avons perdu, si on peut s'exprimer ainsi, les heures imparties réglementaires de la prière. Hein? Chaque prière a une heure réglementaire, et c'est tout. La prière de jour aujourd'hui à la prière, c'est réglementé pour la prière de jour aujourd'hui. Lorsqu'on manque 16 heures, mes chers frères, ça devient une prière de rattrapage. On ne doit pas se dire non, il faut attendre le dhuhr de demain pour ne pas que ce soit la prière de rattrapage. On attend la prière de dhuhr de demain et enfin de s'acquitter de cette prière, alors ce n'est plus la prière. Non, chaque jour a sa prière et chaque moment a sa prière précise, mes chers frères et sœurs. Dans ce cas précis, il est tout à fait clair que la prière de rattrapage peut être accomplie n'importe quand. On peut rattraper la prière de l'aube à midi, et tout comme le soir, il n'y a aucune différence
aucune différence. La prière de l'autre, nous pouvons la rattraper pendant le midi, la prière de dhuhr, nous pouvons la répéter dans l'isha, après l'isha, nous pouvons, n'importe quel moment, nous pouvons transformer nous-mêmes la prière nocturne à des prières de rattrapage. Donc, mes chers frères et sœurs, il faudrait que les choses soient aussi claires pour nous. La prière de rattrapage redevable au Père. Mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, et nous allons essayer de revenir sur ce point. C'est un point intéressant que beaucoup de gens négligent ce point, alors que ça fait partie de nos obligations. Et Inch'Allah, si Dieu nous accorde assez de temps, dans les prochaines séances, nous allons essayer d'y revenir, parlant effectivement de ces prières. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.